Soukhodavon Gaïa, famille nombreuse, hospitalisée, nouvelle opération pour la maman. L'ancienne candidate de famille nombreuse est actuellement à l'hôpital. Une nouvelle qu'elle a annoncée sur son compte Instagram, en story plus précisément. Très vite, elle a donné de ses nouvelles. Ce vendredi 25 février 2022 est une journée particulière pour Soukhodavon Gaïa. L'ancienne candidate de famille nombreuse, TF1, est actuellement à l'hôpital. Un sujet sur lequel elle s'est exprimée en story Instagram. Ces prochaines heures et sans doute ces prochains jours, Soukhodavon Gaïa sera éloignée de son mari Olivier et de leurs 9 enfants. Ce matin, la mère de famille s'est de nouveau rendue à l'hôpital pour une nouvelle opération. Demain je dois aller à l'hôpital à 7h pour me faire enlever mes petits calculs, avait-elle confié la veille à sa communauté. Et une fois sur place, elle a tenu à donner des petites nouvelles. Je suis dans ma petite chambre tranquille. Je passe à partir de 14h au bloc. Il ne faut pas que je mange ou que je boive jusqu'à l'opération. J'espère que je vais tenir le coup, a-t-elle déclaré. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles dès que possible. Une fois l'intervention terminée, afin de rassurer les personnes qui la suivent. Si est-il en novembre dernier que le cauchemar de Soukhodavon a commencé. Elle avait été hospitalisée une première fois à cause d'un gros calcul qui bouchait sa vessie. Si est-il pour ça qu'elle est paralysée. L'intervention allait être efficace, il n'en était malheureusement rien. Quelques jours plus tard, la brunette avait fait son retour à l'hôpital. Regardez qui je récupère. Elle n'a pas de chance. Elle a refait une prise de sang et elle est encore infectée. Elle a repris rendez-vous. Elle doit refaire une prise de sang, un scanner et doit se refaire opérer. Elle va être abonnée ici, avait confié son époux. Espérons donc pour elle que cette nouvelle opération sera davantage efficace, afin que ces maux soient enfin derrière elle.